Donc aujourd'hui, on va. En fait, je vais juste faire une autre vidéo, genre juste pour montrer deux exemples en fait d'où qu'on peut mettre nos tentes. En fait, grosso modo, comme vous voyez, on est comme derrière une carrière, genre carrière. C'est quoi le mot carrière? Je pense que c'est carrière le mot. Bref, en fait, je ne sais même pas si c'est une carrière ou ben, genre juste un terrain qui a été mis à l'abandon. Bref, ils ont l'air de l'avoir travaillé pour quelque chose. Ils ont crissé le sable là, donc là, tu as une colline de sable. Je suis comme. L'autoroute est genre à peu près 10 mètres par là, comme tu sais, genre de même. Donc, comme là, généralement, je suis pas très sûr de comment ils perçoivent le camping, puis qu'ici, comme il y a beaucoup d'hôtels, puis que, en tout cas, tantôt, il y a eu un épisode avec des kids, genre, qui m'a fait croire que, en gros, les touristes, c'est juste un compte de banque sur deux pattes. J'ai comme crissé ma tente pour être sûr qu'on me voit pas, pour qu'on ne charge absolument aucun frais, genre, ah, mais c'est mon terrain, donne-moi de l'argent, genre, ta gueule. Puis aussi, parce qu'à un moment donné, j'ai entendu un Canadien qui me disait que le Laos interdisait aux moines d'accueillir du monde parce qu'ils voulaient absolument qu'ils mettent l'argent dans leur hôtel. Donc, je ne sais pas c'est quoi la réglementation sur le camping. Généralement, s'il serait genre, mettons, 7-8 heures le soir puis qu'il ferait noir, ben, je la mettrais un peu plus n'importe où. Sauf que là, il y a 1 heure, puis honnêtement, je suis juste fatigué. Puis honnêtement, j'ai comme un itinéraire genre pour 7 jours parce que quand même, il n'y a vraiment pas beaucoup de routes dans le coin. Fait que j'essaie comme de respecter le plus possible. Puis comme hier, en fait, j'étais arrivé en retard puis j'ai laissé ma tente un peu moins loin que prévu. Ben aujourd'hui, la journée de marche était pas mal moins longue, c'est genre à peu près genre 8 km. J'ai terminé genre à peu près 1 heure de marche. Puis bref, j'ai mis là, tout ça pour dire que terrain de camping, grosso modo, j'ai vu ça sur le coin de la route. Je suis rentré, il faut savoir que la route fait comme ça. Donc pourquoi j'ai sélectionné cet endroit-là, grosso modo, c'est parce que, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de roches là, en fait. Là, il y a moins de roches dans le fond là. Mais ici, par contre, je suis caché. Puis juste là, vous voyez, il y a un peu moins de. C'est genre beaucoup, beaucoup de roches. Un peu moins dans le coin là. C'est beaucoup plus genre de la terre. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas de la roche. C'est comme des grumeaux de terre, genre. Fait que ça va être bien pour dormir. Donc, ici, il y a pas mal de roches dans le coin là, faut dire. Mais dans la deuxième moitié de ce côté-là, c'est pas mal plus des grumeaux de terre. Donc, ça va bien faire pour dormir, comme j'ai dit. J'ai plus mon matelas, donc. Faut que je prenne ça en considération. Généralement, je m'en crisserais, comme j'ai dit, mais si vous avez un matelas, c'est pas à prendre en considération, mais si vous en avez un, si vous n'avez pas, c'est important de prendre en considération. Si vous en avez, c'est moins important, mais. Fait que c'est pour ça qu'on a choisi là. Sinon, comme vous voyez, le reste, c'est. Puis aussi, grosso modo, parce qu'on est caché là. Dépendant des cultures, généralement, 6-7 heures, il n'y a pas besoin de se stresser parce que, genre, 6-7 heures, généralement, c'est genre. C'est une belle heure pour crisser sa tente. Il commence à faire noir. Le monde sont pas mal majoritairement rentrés chez eux parce qu'il n'y a absolument rien à glander là pour ces autoroutes. Tu sais, c'est une autoroute puis t'as là. Puis quelques maisons, c'est bon, mais tu veux faire quoi en dehors à ça là? Fait que c'est pas ça. Donc, tout dépendant de l'heure, généralement, comme là, il est 1 heure. Donc, je fais en sorte au moins que ma tente soit cachée. Généralement, en tout cas, le level du fait qu'il faut qu'elle soit cachée, ça dépend. Hier, elle était quand même cachée assez. Mais tu sais, surtout genre quand il fait noir, genre ça se voit moi non plus. Là. Mais donc aujourd'hui, j'en ai vraiment allé dans l'extrême pour qu'absolument personne ne voie. Comme vous voyez, aucune crise de maison là. En haut là, on ne voit pas là, à moins qu'on vienne vraiment sur le bord, ce qui me surprendrait vu qu'il y a une clôture. Donc on est caché de toutes parts. On est pas loin de l'autoroute, ce que j'aime beaucoup. Tout en étant quand même assez loin pour pas entendre les sons des chats pendant la nuit. Ou du moins, juste un peu là, pas pour nous réveiller. Fait que c'est pas mal ça. Donc. C'est comme ça qu'on se trouve des terrains de camping. Puis c'est ça que j'ai dit aujourd'hui là. Je suis allé vraiment dans le super caché parce que ben il y en a, puis je voulais pas qu'on me fasse chier avec. Ben faut que tu bouges ta tente! Fait que c'est pas mal ça. En gros, le contenu de cette vidéo il est vraiment à chier parce que faut savoir que se trouver une place pour camping, c'est vraiment relax. C'est juste genre trouve une place qui est un peu en dehors de la route principale. Qui est semi-confortable, puis que le monde ne viendra pas te faire chier. En fait, c'est les trois seules crises de critères. Parce qu'il faut savoir qu'une tente, là, c'est à peu près maximum 2 mètres par 2 mètres. Fait que, tu sais, je veux dire, tu crises ça n'importe où, là. Puis, tu sais, y a rien de très savant là-dedans. C'est tout. Juste trouver un spot. Tu le crisses là. Tes seules questions, c'est de savoir si ça va faire chier quelqu'un. Si les deux réponses sont ben écoute, ça fait niveau dimension, ça fait chier personne. T'es fine, ta calice là.
si t'es encore plus 6-7 heures, ben la question de est-ce que ça fait chier quelqu'un, tu t'en calisses un peu parce que ta mère fait noir, elle va sûrement pas te voir, puis le lendemain matin, même si tu vois 15 minutes de temps, tu vas prendre ta tente puis tu vas partir, mais tu vas déjà avoir dormi. Fait que, honnêtement, c'est juste le gros bon sens. Fait que ben, c'est pas mal ça, donc yo.